Métamorphose a été créée avec la technique dite Glass Progress, concept élaboré, mis au point et déposé à l'INPI par Yves Jumeau. Le concept Glass Progress est une technologie avancée et innovante au service de la création à dimension architecturale. C'est du verre, de l'inox, un thermoformage à l'air libre permettant une coloration immédiate, une gestuelle spontanée. La structure autoporteuse inox est rythmée par un réseau secondaire, une matière d'un aspect sophistiqué et brut, transparente, opaque, sablée ou non, mate, brillante, colorée, incolore, translucide, lumineuse. Glass Progress permet une expression libre de l'espace, ses domaines privilégiés, les halls monumentaux, édifices, jeux permanents de matière, lumière et transparence, ses champs d'investigation, la sculpture, le volume, la verrière, le vellum. Thème de métamorphose. À l'instar du monde animal, ici la métamorphose est une allégorie à la psyché humaine et à ses propres capacités au changement. La représentation est traduite par un demi-visage légèrement anamorphosé. La technique créée pour la réalisation de ces sculptures est particulièrement bien adaptée. Le jeu des tensions du verre brisé, puis partiellement recollé par le thermoformage, met en adéquation le thème et la structure de la matière. Ce travail est particulièrement visuel, le bruit des brûleurs de leurs flammes participe à cette manifestation unique. La réalisation des métamorphoses, c'est du béton réfractaire sculpté pour la forme support, mais encore des tiges, des tubes inox pour le rythme et la structure porteuse. C'est 8 brûleurs de 90 kW chacun afin de modeler ce voile de verre de 3 mètres de hauteur par 1 mètre. C'est 80 kg de propane consommé en moins de 25 minutes de thermoformage, ceci à l'aide d'outils métalliques ainsi que la mise en couleur tel un peintre, tout cela à une température dépassant les 1000 degrés. C'est une protection personnelle en Kevlar, un home aluminisé avec ventilation forcée afin de résister à la chaleur du four ambulant. En un mot, c'est vulcanien.